Dues mediadores, les presentaran la Núria i l'Anse, que han treballat amb elles. Però abans de començar l'Aldo, em demana a veure si hi ha algun comentari, el feedback del que ell ha explicat abans. Si algú vol fer algun retorn o vol fer algun comentari del que s'ha estat tractant la primera part. Abans de començar els casos, algú vol pronunciar-se i alguna cosa? Sé que jo hablo ara o calla, però si alguna... És per tirar endavant, és a dir, hi ha alguna cosa del que ell ha comentat que es vulgui fer algun comentari o alguna pregunta? No? Bueno, si sobre la marxa surt alguna cosa, no, ni aquí o demà, darrere el mig. Algú vol fer algun comentari, no? Doncs seguim endavant, d'acord? Però el primer cas, qui ens el presenta, Anse? Bueno, bona tarda a tothom. El cas que presentem, bueno, el presenta la Núria García. Sabeu que seguim fent la mateixa dinàmica de les jornades que ens hem trobat de formació cada mes. El que avui és l'avantatge que tenim a l'Aldo Morrone i ens junta els dos grups. Però nosaltres volem que la dinàmica sigui la mateixa, que hi ha un mediador, un participant, en aquest cas la Núria García, que ha treballat un cas que per ella té molt interès, que és un cas que hi ha unes dificultats en què diguéssim, hi hagi un règim de visites que es mantingui amb el pare, que la relació paterno-filial està tancada, i ella planteja les dificultats de com gestionar aquesta relació amb la mare. Però sabeu que, bueno, el que ens demanem sempre és que la dinàmica és la mateixa, que hi ha un participant del grup que porta un cas que ens serveix de mostra i que avui tenim l'avantatge de gaudir amb l'expertesa de l'Aldo Morrone que ens anirà guiant i gestionant amb el cas, fent una supervisió, però que volem compartir, és a dir, que qualsevol persona que hagi tingut situacions similars o que vulgui fer una participació, és per això, estem en donar i rebre, que és l'objecte d'aquestes sessions que fem. Bueno, sincerament, li deixo la paraula a la Núria, que us presenta el cas. Gràcies. Podeu dir a molt, si vol fer? No sé jo. Sí? Just abans que comença, li vull dir a molt. Je sais qu'avant la pause, par moment, je n'ai pas parlé assez fort, le micro ne capte pas trop bien, et ma voix n'a pas vraiment. De sorte que j'apprécierais si vous puissiez me faire un signe quand vous voyez que je parle trop bas et vous ne pouvez pas entendre. J'apprécierais. Merci. Et maintenant, à Núria, mon seul commentaire d'intro, ce sera celui-ci. Est-ce que c'est OK si je rentre dans ton discours en tout temps ou tu as une préférence? Si quoi? En tout temps, je peux rentrer. Mais c'est en train de me sentir scénico, il y a Aldo contigo aquí. OK, je vais m'autoriser. OK, je vais m'autoriser des petits morceaux chemin faisant. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. C'est une consultation entre collègues et donc c'est une petite aventure, on ne se connaît pas vraiment, donc je ne sais pas où je m'en vais avec ça. Vous allez nous accueillir pour se connaître et on va faire notre mieux. Merci, aidez-nous s'il vous plaît. Però només faré una breu presentació del cas. Es tracta de dos pares, que direm Josep i Maria, que han estat matrimoni durant uns 15 anys i que tenen dues filles en comú, de 13 anys i mig i de 8 anys. I actualment porten dos anys separats. La custòdia de les filles la té la mare i el pare té un règim de visites de caps de setmana alterns i una tarda entre setmana. El pare paga una pensió d'uns 700 euros per les dues filles. A nivell econòmic és una família que no té problemes, diríem un nivell econòmic mig. I el motiu de la derivació judicial és l'incompliment del règim de visites de les dues filles en comú. Fa 8 mesos que les nenes no veuen el pare. Cal afegir també que les nenes estan vivint amb la mare al pis al costat de l'àvia paterna, perquè és un fet també significatiu.
En contacte telefònicament amb les dues parts, em comenten que, bueno, que han estat els advocats, el jutge que han demanat la mediació i que no saben ben bé què. Per tant, els cito per a una sessió conjunta informativa. La mare insisteix a venir de forma individual i finalment doncs, faig dues sessions informatives individuals, una amb el pare i l'altra amb la mare. Primer ve el pare, per motius d'agenda, és el que primer ve, i comenta doncs, bueno, que fa 8 mesos que no veu a les nenes, tot i que ell les va buscar, però les nenes no volen anar amb ell. Diu que havia comès errors en el seu matrimoni, però que no vol perdre les seves filles. Insisteix que la mare les ha posat en contra d'ell i que les nenes i la mare l'han insultat públicament, amenaçat i agredit. I per aquest motiu ha hagut de marxar amb la seva parella, per part d'una nova parella, a una altra població a viure. Vivia en una població molt petita d'uns 500 habitants. Bueno, us explico en què consisteix la mediació i el pare accepta. La primera sessió informativa amb la mare. La mare arriba amb molta ràbia, amb un to molt victimista i molta ràbia cap a l'exparella. Insisteix molt a mostrar extractes. Núria. Gràcies. Est-ce que le terme session informative est un terme utilisé pour vous, par vous, pour décrire une session différente de ce qu'on pourrait appeler une première entrevue de médiateur? Sí, és una, bueno, és una sessió on s'explica a les partes en què consiste la, bueno, en català, en què consisteix la mediació. Expliquen les normes de la mediació. El grup és ensemble o separadament? Juntos o separadament? Bueno, hay varias. Existen las dos opciones. En este caso lo hicimos separados a petición expresa de la madre. Gracias. Gracias. Entonces, la mare explica, bueno, insisteix a mostrar extractes bancaris de serveis de prostitució utilitzats per al seu exmarit durant el matrimoni, expressa molta ràbia, molt dolor, refereix que havia donat una segona oportunitat al seu exmarit per salvar el matrimoni i doncs, el sentiment d'estafa emocional al saber que el conèixer que el seu marit havia tingut, o sigui que mantenia una relació amorosa amb una de les prostitutes amb les que solia anar, una relació, diguem, estable, no?, en l'últim any, i això doncs, va provocar la ruptura. La mare manifesta també doncs, la intenció d'explicar-li aquest fet a la filla major de 13 anys i mig. Diu que havia d'explicar quan sigui una mica més gran i perquè sempre demana per quin motiu es van separar, insisteix a explicar-li això. Això és una intenció que la mare va explicant, bueno, va dient al llarg de les sessions, no? Bueno, en aquesta sessió, bueno, sobretot el meu objectiu va ser intentar separar les emocions de la mare com a exparella, o sigui, com a marit i com a pare, no? Com a entitats diferents, no? L'entitat de parella i l'entitat de pare, no? La mare trasllada molt la responsabilitat, diu que ella no impedeix que les nenes vagin amb el pare, que són elles qui no volen anar, que ella no les pot obligar. Llavors, doncs, bueno, parlem una mica del tema responsabilitat de pares sobre fills i aquest tema autoritat i posem bastant èmfasi en la voluntarietat del procés, no? Perquè ella ve molt amb la idea de que ella no ha de negociar bon, res. Sí, però un lloc és guai. Jo vaig jugar a molt de tour a Núria. A molt de tour. Si vous ne l'avez pas, mais si vous aviez son document, je sais que vous ne l'avez pas, mais je vous le décris tout de suite. Dans ce paragraphe concernant la situation initiale, il y a 10 lignes, 9 la maman, 1 le papa. Est-ce que je dois ajouter quelque chose? Oui. Je t'ai prévenu, j'avais joué un mauvais tour. Qu'est-ce que ça signifie?
9 lignes sur 10, la parole de la mère et une, la parole de papa. Qu'est-ce que ça signifie? Que, a veure, el pare venia bueno, amb un objectiu molt clar, que era recuperar la relació amb les seves filles, i el pare doncs, decidia entendre el procés de mediació, que era la mediació, i no expressava o sigui, sentiments cap a la mare que poguessin interferir. Que és aquesta qüestió que el mediador, je m'amuse avec toi, je fais ce que tu m'amuse avec moi aussi. Je sais que c'est un peu stressant d'être ici devant tous tes collègues. Moi aussi, je suis un peu stressé, mais ayant du plaisir. Qu'est-ce que c'est, selon toi, le fait que je te fais la remarque que 9 lignes sur 10 sont la parole de la mère? Ben, qu'est-ce que, quand tu entends ça, ça se fait penser à toi? La pregunta que m'has fet em fa pensar que potser pots pensar que estava posicionada cap a alguna de les parts. Verre? Que potser jo estava posicionada a favor... En... Plus exactament? Més exactament? Cap al pare, potser perquè explico més. Ah, ok. Donc, o de la mare, no sé. Bah, yo, c'est ta décision. O de la mare perquè en parlo més, potser. Donc, dis-le maintenant, à vous tes fautes. Ton préjugé, c'est un savoir petit. Ça, c'est un aveu public, comme on faisait dans le bon vieux temps, juste avant de brûler le médiateur dans la place publique. Selon toi, à ce moment-là, je vais utiliser un terme brusque. Sincèrement, aquesta primera sessió individual, jo vaig sentir que eren legítims els dos sentiments a la part. Qui te faisait chier le plus? Qui, perdó? Pensar, la mare. Ah! La mare? Sí. Sí. Elle est la méchante. Parce qu'elle est en colère, c'est terrible. Parce que peut-être qu'elle souffre, mais elle est en colère. Elle est une conséquence comme ça. Et donc le bourreau, le mari, devient la victime. C'est des petits paradoxes qu'on a connus. Et une personne en colère est très désagréable. Est vraiment très désagréable à montrer. Même si la colère est justifiée, ça n'est plus. En réaction, je remarque chez moi, peut-être chez toi aussi, c'est que on porte beaucoup d'attention à cette même personne qui, de toute manière... grazie! Et donc, on porte beaucoup d'attention à cette personne qui nous dérange. Conclusion, il est possible qu'après quelques minutes, notre médiateur ait perdu sa partialité, son impartialité. Tout au moins, qu'elle ait une opinion. Et pourquoi pas? On est des êtres intelligents, non? Je crois que tu as pu développer une opinion très vite sur les personnes et sur la conclusion qui aurait dû suivre. Et on peut se le dire, et c'est bien. Comment ne pas avoir une opinion quand quelqu'un, pendant 20-30 minutes, nous déballe ses histoires avec colère, ou l'autre aussi? Est-ce qu'on peut, en tant que médiateur, commencer à s'avouer qu'on a une tête sur les épaules? Se le dire. Que peut-être on pourrait prétendre que nos opinions peuvent être relativement ouvertes, relativement évolutives, mais ne pas en avoir dans le sens que notre neutralité ne pourra pas être de la pureté. Mais on le veut trop souvent. Ton écrit est magnifique parce qu'il parle beaucoup entre les lignes.
et par le poids et le nombre des lignes. Cette dame ici demandait beaucoup d'écoute, j'imagine. D'ailleurs, depuis qu'elle a découvert les méfaits de ce monsieur, peut-être qu'elle a de l'écoute de tout le village, à commencer par ses enfants. Et il n'aura jamais assez d'écoute. Un autre mot, dans mes interventions qui vont suivre, je ferai peut-être un peu moins d'écoute et plus de quelque chose d'autre. Donc, tu as décrit les problèmes vécus par cette dame, ici. Les problèmes vécus par le monsieur sont simples. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants. Et c'est ma faute. Le bonheur de monsieur, c'est que sa faute est claire. Le malheur de madame, c'est que sa faute n'est pas claire. Et ça, c'est le problème de la victime. Que, mais ayant comprise comme n'ayant pas de faute, pas de rôle dans les problèmes, comment va-t-elle avoir un rôle dans les solutions si elle n'a aucun rôle dans les problèmes? Et dans tout, et puis elle va dire, je ne peux pas pousser mes enfants, c'est pas moi qui ai causé le problème, je ne peux pas le régler non plus. C'est un pense-pilate ambulant du 21e siècle, cette dame. Et c'est ça qui va nous pousser en médiation, n'est-ce pas? La maman qui se lave les mains. Et paradoxalement, comme médiateur, c'est celle qui me fait travailler le plus. Étrangement, la soie du Saint-Christ, c'est celle qui va me faire le plus suer, parce que c'est la parole à travers, qu'elle s'engage dans une œuvre qu'elle ne retient pas la sienne. Dans une responsabilité qu'elle ne retient pas la sienne. Je te laisse continuer. C'était mes réflexions initiales, tellement. Vale, bueno, acabo de matitzar això, el tema aquest de la sessió amb la mare, una mica la dificultat aquesta de que la mare separés les emocions, no? Una mica el fet de poder legitimar aquest dolor i aquesta ràbia que sentia, doncs, per tot el que havia viscut amb la seva exparella, tot aquest dolor, i del fet d'intentar no transmetre aquest dolor i aquesta ràbia a les seves filles, no? Però bueno, això no es va aconseguir massa, no? I en aquesta sessió tampoc. Sí, Marie, perdona. L'unique qui se répétait, c'est ce que je viens de dire. Est-ce que c'est ton opinion de ne pas transférer sa rage aussi ou c'est celle de le projet de la mère? És la meva opinió. Pardon? El projecte de la mare era transferir aquest dolor, aquesta ràbia a les filles, potser de manera inconscient, i la meva intenció era, doncs, que ella pogués reflexionar sobre què provocaria això a les filles si ella li transmetia aquest dolor i aquesta ràbia que tenia ella. És que ça c'est un vœu intern a toi ou ça même était partie de la conversation? Est-ce que c'est une opinion à toi, un projet pour la médiation ou interne que tu as gardé pour toi ou tu l'as partagé avec la dame? No, va sortir arrel de la conversa de la senyora. Jo vaig aprofitar aquest tema per intentar, doncs, fer-li que ella fes aquesta reflexió. Quan ella deia, jo tinc moltes ganes d'explicar-li a la meva filla, doncs, per què ens vam separar, que el seu pare era molt puter, o que ell ho deia així, clarament, i amb molta ràbia, doncs vaig aprofitar, doncs, per que ella, bueno, mirar si ella podia reflexionar, doncs, de què provocaria, quin sentiment provocaria això amb la seva filla, si ella volia que la seva filla experimentés aquest sentiment. Una mica vaig intentar treballar per aquí, perquè la mare estava molt, doncs, amb molta ràbia. Tu parles de la fille qui, en fin de compte, ne visite pas papa. Les dues no reben la visita, sí. Un altre mot. Réfléchissons encore une fois. Nous, on n'a pas la vidéo, donc on ne peut pas avoir le texte exact de la relation à ce moment-là. Cependant, on a ici une description honnête de ce qui s'est passé. C'est-à-dire,
un projet impossible, irréaliste. Dans le sens que c'est un beau projet de vertu qui n'a pas influencé les enfants. Ton opinion personnelle, vraiment, oublie le cas. Penses-tu vraiment que les enfants ne savent rien? Première question. Deuxième question. Quel que soit que monsieur a fait ou madame a fait, penses-tu vraiment que les enfants ne savent pas l'émotion qui se vit dans la maison? On n'a pas besoin de savoir le nom et l'adresse de la pute que monsieur visitait. On n'a pas besoin de savoir que papa visite les putes. Mais en famille, depuis le jour que madame a appris que monsieur visite les putes, cette femme a changé, la relation a changé, tout ce qui se passe autour de la table de cuisine a changé. Qu'est-ce que les enfants ont besoin de savoir plus qu'ils ne savent déjà pas, c'est-à-dire maman et papa, c'est foutu et c'est la faute à papa. Sí, pero bueno, yo entiendo un poco diferente la información que ellos pueden tener del sentimiento que se les transmite. O sea, una cosa pues es un error, un buen error. Muchos errores, muchas cosas, mucho daño entre pareja, y la otra es que es el padre, y el padre a ellas no las va a perjudicar. Ce que je disais, et je m'excuse parce que cette conversation doit passer par la traduction et donc tout est ralenti. Monsieur, vraiment. Un autre mot, les détails de la faute. Le détail de la faute, et Dieu merci que vous êtes très attentif. Il y a toujours un voisin qui va le dire de toute manière, ou un copain de classe. C'est garanti. Cependant, en entrevue, vous faites ce projet d'épargner aux enfants les détails. Mais est-ce que ça compte vraiment les détails tant que ça? Puisque tout le reste du vécu familial est déjà éclaté et totalement connu par les enfants, et ils en souffrent et ils participent à l'accélération de la souffrance et à la dramatisation des gens. C'est comme la différence entre le dire et le faire. On n'a rien dit, mais on fait tout. Je ne dis pas que tu es coupable d'avoir visité une pute, je ne le dis pas. Mais je te traite en coupable. Et ces enfants savent que papa est traité en coupable par maman et probablement le reste de la famille. Et donc ils agissent comme si papa était coupable de quelque chose de grave. Et ils agissent exactement comme il le faut, c'est-à-dire ostracisme. Morale de l'histoire, ils savent déjà tout. Suffisamment pour les faire mal agir. Parce qu'ils agissent très mal. Ils ont... C'est une réflexion, naturellement, il faut le vérifier. C'est une hypothèse. Ils ont condamné leur père et la preuve, c'est qu'ils ne le visitent pas. Naturellement, la mère dira autre chose, parce qu'elle cherche une faute pour la séparation des putes, une faute pour la séparation père-enfant, c'est un père absent. Ça a toujours été un père absent. Il n'a jamais changé de couche. En autre mot, dans ce cas ici, la dame, et ça n'aide pas à régler le problème facilement, la dame a les deux réponses parfaites. Mauvais mari, mauvais père. Les enfants ajoutent, mauvais homme, je le fréquente même pas. Je tire une conclusion personnelle. Le beau discours concernant ce qu'il faut cacher aux enfants pour leur épargner cette souffrance, je suis d'accord.
mais ce n'est pas le début du commencement. Je trouverai la raison pour m'activer immédiatement pour faire quelque chose de dramatique, parce que les enfants agissent déjà comme s'ils savaient trop. Ils ont déjà condamné leur relation de cette façon. La beauté de cette situation, c'est que elle est urgente, elle est grave, et les enfants, ce n'est pas la beauté. La laideur de cette situation, c'est que les enfants ont cette alliance. Ils agissent l'alliance en plus. Ils l'agissent avec force. En autre mot, ils sont plus puissants que la maman maintenant. C'est terrible. Et je sais que toi, tu vas les inviter à l'entrevue. Ça se continue. La seule raison que je me suis introduit, c'est que l'entrevue faite pour protéger les enfants, c'est une chose. L'entrevue faite pour confronter les enfants à leurs mauvais choix, c'est une autre chose. Et vous voyez quelle direction je prendrais si j'étais là. Et on voit la naturelle direction, naturelle qui est de les protéger aussi. Donc, comment combiner toutes ces possibilités-là? Bueno, la mare sempre ha insistit molt que tothom pensa que és ella que inculca missatges negatius a les nenes, però que no, que realment doncs, que s'hauria d'escoltar, que ella hauria d'escoltar la filla gran, perquè els motius pels quals no vol anar amb el pare, no? I aquí doncs, per posar una mica de barrera, doncs, entendre que el procés el dirigia jo, que estava bé, o sigui que la mare sempre va intentar, doncs, intentava manipular, crear aliances, i sempre doncs, bueno, eren les filles, no? I una mica aquí tenia doncs, el dilema de l'autoritat materna, no? De dir, bueno, l'he vist ahir, tampoc no sembla amb el pare. Vaig descartar que no hi hagués algun tema, no sé, d'algun abús o algun tema així, perquè la mare parlava sempre amb un llenguatge tan despectiu, tan doncs, és fastigós que arribés d'estar amb les prostitutes i toqués les meves filles, no? Doncs, què vols dir tocar les teves filles? Doncs, abraçar-les, fer petons i fer de pare, no? Vull dir, però ella sempre tenia un discurs així molt pejoratiu que podia crear dubtes, no? I vaig pensar que millor descartar doncs, qualsevol altre tema, no? Després va haver una primera sessió conjunta. Ella està en train de nous dire, naturellement, une des raisons pour ne pas rencontrer trop souvent les personnes individuellement en début de médiation. Je ne fais pas le procès de l'entrevue individuelle, la question n'est pas là. Mais ce bel exemple nous parle de la difficulté qu'on a, nous, à essayer de préserver notre détachement professionnel. En même temps, on nous dit toujours des vacheries sur la personne absente, détail à l'appui, de sorte qu'on est aussi dans le même ordre professionnel, on veut la distance et on veut la curiosité. Deux obligations très complexes. Et quand le tiers est absent, les vacheries sont toujours plus piques, par définition. Et mon travail de distanciation est beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais naturellement, je peux comprendre que si c'est dans un chemin de l'hiver, c'est très bien. La sessió conjunta amb el pare i la mare, va ser dura, els costava molt doncs, respectar les regles de la mediació, respectar-se entre ells. Van haver acabat parlant a través meu i bueno, aquesta sessió doncs, van parlar una mica doncs, de com havien estat el compliment del règim de visites anteriorment, si hi havia algun motiu pel qual s'havia trencat, bueno, qui no s'acabava de treure l'entrellat, perquè el pare culpava la mare el pare perquè no s'havia fet de pare, no semblaven haver-hi doncs, motius massa aparents, objectius, o... Bueno, llavors, en un moment, bueno, els hi vaig preguntar, bueno, vaig intentar legitimar el seu rol com a pares, d'un i de l'altre, i ells doncs, el van legitimar aquest rol, no? O sigui, es van reconèixer
que era un bon pare, no? I li va dir ella doncs, que sí, que era una bona mare, tot i tenir coses que a ell no li podien agradar, i ella també li va dir a ell. Passa que, bueno, de seguida es va dissipar això, no? I... Sí, just abans de dir-me el sorbet, la botella de xampanya, es fa bé. Va durar massa poc per poder-ho celebrar, però va ser un moment maco, sí. Il faut pas que ce soit un moment uniquement. C'est un moment initialement, mais je peux en faire un drame. Un drame magnifique au sens beau. C'est-à-dire que dans la situation décrite, on a des gens qui souffrent et qui accumulent non seulement les souffrances, mais aussi les erreurs de parcours. Okay? Les petites décisions du quotidien qui les mènent droit vers un mur de briques. Quand le moment exceptionnel, c'est le terme, quand l'exception surgit, qu'ils se disent un mot opposé aux 99 qui ont précédé, soit le feu d'artifice, soit fait des feux d'artifice, pour que ce qui a été dit en passant devienne le clou de la rencontre. Et ça c'est un peu notre job. Mm-hmm. Ça arrive dans chaque rencontre, dans les plus difficiles rencontres, que par erreur, ils disent quelque chose de bien. Ici, ça n'a pas été par erreur, ça a été motivé par son intervention, puisque tu les as guidés de cette manière. Ça, je sais. Donc, il y a double mérite. Il y a le mérite des paroles que les gens ont dites et le mérite de la conscience du médiateur qui consciemment a voulu que ceci soit dit. Il a probablement posé des questions très inductives qui les cadraient ou qui disent ça fait mot. Et bien maintenant, mon appel à toi est ceci. Puisque il y a eu des petites victoires, il faut qu'il y ait victoire. Peux-tu être le monsieur? More or less. A little bit. We're going to line up here. J'ai besoin d'une femme. Il y a un magnifique film de Fellini où il y a le monsieur sur l'arbre. Voglio una donna! Vous vous rappelez si c'est Amator, hein? Amator. Voglio una donna! Oh, ça va? Vous mettez à autre? Merci bien. Voilà. On est en train d'extrapoler naturellement. Et l'histoire, c'est que, d'un côté, il faut étudier le succès, parce que étudier le conflit, c'est bien, étudier le succès, c'est mieux. Et on ne porte pas assez d'attention à ces portions du succès de notre salon. C'est sûr qu'on parle beaucoup des compétences et des ressources des personnes et des familles, c'est le contraire. Mais la compétence de l'employé, la compétence du médiateur, du thérapeute, de l'avocat. Donc, c'est éphémère moment de succès, où les justes mots sont dits, presque au juste moment. Là, il faut avoir des feux d'artifice prêts dans sa poche. Et une allumette tout près. Le problème, c'est que dans les maisons non fumeurs, aujourd'hui, on n'a ni de feu, ni d'allumette, ni de... Donc, notre couple, qui s'appelle Joseph et Marie, naturellement, vont dire ces jolis mots que tu viens de nous raconter. Ça va? Ok. Et notre médiateur, ben, il va découvrir l'Amérique.
et non que tu vas te sentir exactement comme Christophe Colomb. Tu vas faire un waouh, tu vas faire trembler la terre, et tu vas rester et radoter et retourner comme s'il n'y avait pas d'avenir. Et tu vas être surprise, étonnée, intriguée, tu vas vouloir savoir le comment et le quoi et quoi d'autre et que marche. Dites autrement, tu vas être un big dog qui va prendre sa foi, la foi étant ce rarissime bon moment qui est en toi. Et en le jouant et en le tenant présent, ça va nous arriver en entrevue où ce moment éphémère va devenir le reste de l'entrevue. Au grand étonnement du couple et naturellement aussi. Vous en faites. Vous vous rappelez les jeunes phrases que chacun a dit? Joseph et Marie? Très bien. Allez. Després es tracta de revaloritzar la figura d'ell com a pare, no? Sí, si tu creus que en Josep ha estat un bon pare, o que és un bon... pot fer bon pare, ha estat un bon pare. I de reconèixer que sí, que en algun moment les nenes estaven molt contentes de quan arribava a casa i de poder estar amb ell i jugar amb ell a passis. Tu, Josep, creus que la Maria és una bona mare i ha estat una bona mare? Sí. Regardez comment elle pose des questions. Hein? Elle connaît la réponse. Elle ose la réponse. Et ça, c'est bien. Parce que, en situation de stress, les questions ouvertes, on les laisse pour les thérapeutes de qualité. Nous, on doit viser de rétrécir le chemin pour que certaines choses. Vrai, on n'invente pas. Vrai, soit quand même dit. Continue. Non, non. Joseph, qu'est-ce que tu dis? Sí. Sí. Bon. Sí, penso que sí, que és bona mare. Mais, naturalment. Mais. Et toi? Vas-y, go. Maintenant, c'est toi qui compte. Descends et monte. Non, pas que descends, mais pas que monte. Parce que les gens veulent étudier ce que toi tu dis. Ok, vas-y. No recordo exactament el que vaig dir, ara mateix tu l'únic que bloquejava, no? Però sí que vaig aprofitar el moment, no? No, no, c'est un exercice nouveau, c'est pas ton entrevue. C'est nouveau, c'est pas ton entrevue. Ok, fais ton applaudissement. Bueno, Josep i Maria, veig que tots dos esteu, bueno, us reconeixeu com a bons pares, per tant, tots dos, doncs, us heu legitimat com a pares, i això vol dir que... Ara, que en algun moment jugués al parxís... Que en algun moment jugués al parxís amb les nenes tampoc vol dir que sigui superpare, amb tot el que ha fet, la veritat, amb tot el que has fet, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. No et digui res més perquè Déu-n'hi-do. Ningú és bon pare, suposo jo, al 100% de la jornada. Tots tenim, podem tenir els nostres moments, però en general us heu reconegut com a bons pares, sou capaços de fer de pare, de mare. Vous avez, je vais vous faire remarquer que dans son intervention, pour faire remarquer aux parents son soutien à ce que vous venez de dire, pour les complimenter, pour ainsi dire, pour être
dans son intervention, elle a mutualisé et les a adressés aux deux. J'aimerais lui suggérer d'y aller juste un peu par étapes parce que, et de personnaliser davantage pour que ça colle mieux à la peau. Parce que, étant donné que leur commentaire positif est un peu exception à leur colère et frustration, on voudrait que ça reste à la fois ce qu'ils ont dit et mon commentaire de support et de compliment. Et dans ce sens-là, je voudrais le faire à titre très personnel pour chacun, pour ensuite, à la limite, mutualiser et dire pour les deux. Et donc, reprends, s'il te plaît, et adresse-toi, si possible, on est dans la mécanique, ok? Adresse-toi, si possible, à chacun, et utilise des mots qu'il reconnaît, des mots qu'elle reconnaît, quand tu leur fais le miroir, quand tu leur renvoies le bon moment qu'ils viennent de créer, le bon commencement. Personnalise. El que has dit, Maria, puc entendre que, malgrat les dificultats que has tingut al matrimoni que has expressat, tu reconeixes que en Josep és un bon pare, sap fer de pare. Naturellement, à l'usage, on a plus de pouvoir, ok? Pratique-toi à faire maintenant avec Joseph et on va faire ça 4 ou 5 fois. Pregunta o contesta? Retornar. Compliment. Josep, vist que reconeixes la Maria com a bona mare, penses que és una bona mare per les teves dues filles i, bueno, i està molt bé que malgrat les dificultats veig que la pots reconèixer com a bona mare, que pot exercir bé el rol de mare. I que això, sí, és una bona mare. Se me donaria un exemple. De bona mare. Tinc una situació en què creguis que ella s'ha comportat com una bona mare. Segur que n'hi ha moltes, però digue'm alguna que tu recordis especialment. Posa des questions plus courtes perquè l'interacció continua. Per no pas te centrer trop sur toi perquè tu dones trop de temps aux personnes pour réfléchir. Posa des questions plus courtes. Pots recordar alguna situació en què la Maria creix que està per la mare? Plus curt, just per l'exercici. Plus curt en què? Pots posar un exemple? Sí, molts. Segur que se les estima, les educa bé, les deixen bé. Sí. Ok, tu continuem amb la mecànica, ok? Tu vas les diferents versions. Imagina-toi que tu le fais curt et tu fais même un double message. Donne-moi un exemple tout en disant quelque chose de chaud, très bref. C'est bon d'avoir une maman qui s'occupe des enfants, n'est-ce pas? Dites-moi un exemple. Réconforte-le. Parce qu'il commence à comprendre ces deux-là qui se sont pris, enlisés, dans de sables mouvants. Dans le milieu, ils ne veulent pas être. Ils pourraient nous boycotter. Donc, on va être brièvement chaud, s'intéresser, manifester intérêt. Et nous voulons qu'ils restent. Mais ils commenceront très vite à comprendre le piège dans lequel je voulais mettre. Parce qu'une chose, c'est de dire, oui, c'est une bonne mère, et on passe aux choses sérieuses. Une chose, c'est de dire, oui, c'est une mère, voici la liste. Et voilà comment, et le jour, et l'heure, et le pourquoi, et je suis heureux, et je lui donne une note de 10 sur 10. Quand ils commencent à comprendre ça, ils vont nous boycotter. Mais nous, on veut rester. On part à zéro,
pose la question, dis qu'elle est une bonne mère, et toi tu t'improvises. Aïa, ah, sí. Per què creus que la Maria és una bona mare? Posa'm un exemple. Perquè els cuida, els educa, també se l'estimen, i és el que m'agradaria tenir jo. Vull dir, jugar amb elles, estar amb elles, tot això... No, jo també m'ho he guanyat. Perdoneu, deixa que parlem. Però, Inglis, m'agradaria el mateix que viu tenint-ho jo. M'agradaria que la relació que tenen amb ella, també les vull cuidar jo, també vull fer aquestes coses. Soc bon pare, jo soc el seu pare. Però tu creus que ell reconeix que ella és una bona mare? Sí. Elle vient de faire une excellente intervention, j'en suis très heureux, merci, quand elle a redirigé vers soi. Dis-le à moi. Okay. Un couple agressif et frustré avec l'histoire lourde qu'on leur connaît. Tout comme tantôt, je disais, ne mutualise pas trop vite. Maintenant, c'est ne leur permet pas une communication directe. Trop vite. Fais-les passer par toi. Parce que l'exigence de se dire, en réalité, elle est excessive, mais l'envie de s'envoyer par mail, ça c'est fort. Donc, redirige vers toi le plus souvent, pourquoi pas, 100% du temps. Il n'y a pas de masse, initialement. De toute manière, d'autres entendent très bien. Merci. Et j'ai surtout apprécié la vitesse avec laquelle tu l'as redirigé. Et ça, c'est important. Tu fais ton travail de médiateur à ce moment-là. Tu as été très vite. Tu pourras regarder la vidéo après, tu verras que c'est très dynamique et c'est ce qu'on veut faire. Maintenant, indépendamment des gens, explorons deux, pour finir cet aspect, explorons deux ou trois manières de amplifier cette exception, de beurrer et faire, d'en mettre et d'en remettre. Première étape, ton étonnement. Comment tu pourrais le manifester ton étonnement? Les Américains appellent ça le wow. Je sais que c'est très américain, mais nous, on peut le faire aussi. Comment tu manifestes ton wow avec les anges? Els dos o passar a la circumstància, per començar. Com et manifestes? Visualment, corporalment i verbalment. És molt positiu aquest fet que tots dos us reconegueu com a bons pares, malgrat totes les dificultats que hagueu tingut, perquè... Je sais que je pose des questions étrangères. Je le fais exprès pour juste être un peu différent, pour une fois. Et naturellement, pendant tout ceci, le vrai souci que j'ai, c'est de se concentrer sur le professionnel plus et toujours plus. Puisque c'est son œuvre qui nous intéresse. C'est son geste, son choix, le temps de la voix, et naturellement les questions qu'il pose. Le client, il changera chaque jour, mais son comportement pourra se répéter de manière efficace. Le wow, je voulais dire, cette réaction initiale qui fait que tu attires attention à toi, et les gens se disent, oh, qu'est-ce qui se passe? En autre mot, dites autrement, tu appellerais ça un changement soudain. Eux, ils ont une logique, ils sont en train d'engager des choses à dire, et toi, tu t'introduis de manière agréable d'ailleurs, puisque tu soulignes quelque chose de bon, mais tu introduis un changement soudain dans leur pensée. Et c'est une des choses qu'on veut naturellement. Donc, c'est manifeste le « wow ». Oh! Manifeste.
really shocking. Caram, això està molt bé. És la primera cosa positiva que he sentit dir. C'est ça qu'on veut, donc étonner les personnes, puisque nous on montre un étonnement, donc ces gens sont déroutés, et ça c'est bon. Ensuite, naturellement, on leur dit de voir qu'est-ce qui nous a étonnés, mais pas étonnés parce que ça ne les représente pas, mais étonnés, c'est l'objet qui est étonnant et beau. On n'est pas étonné parce que surpris, c'est pas... On n'est pas surpris parce que c'est une première, on se comprend. Parce que la chose est belle et c'est leur travail. On pourrait même dire, ça ne m'étonne pas du tout venant de vous. Je dis que je vous ai eu au téléphone, je ne pense qu'à ça. Quelle chance ont vos enfants? Quelle chance ont vos enfants? Ou, si je veux faire mon étonnement, dites peut-être, oh, quelle chance ont vos enfants de vous avoir? Personne. Les autres disent. Okay. Maintenant, on va poser une petite série de questions, toujours sur le ton de l'intérêt, parce qu'il y a un petit peu d'or, mais il y a un filon d'or qu'on va continuer à suivre, et on va faire tout un tunnel pour suivre ce filon d'or. Et donc, quelles questions qu'on pourrait se poser je vais prendre le téléphone. Juste pour... Je ne les connais pas les questions, je les retrouve chemin faisant, parce que c'est une recherche indépendante chaque fois. Maria, oh boy, comment s'appellent vos enfants, ça? Doncs, Maria Josep. Vous m'excusez, j'avais oublié. Ok, on focalise sur l'enfant, sur la mécanique. Oui. Est-ce qu'ils vous ont dit souvent merci parce qu'on est bon maman et bon papa? Non, la vérité, c'est que non. Des fois, comme parent, on donne. Mais quelle chance qu'on a, qu'on sent comme parent. On est heureux. Quelle chance qu'on est encore là. Si. C'est vrai? Si. Oh, c'est fou, hein? Parce qu'il faut se divorcer et se respecter comme parent. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas possible. Sí, però penso que per respectar-nos com a pares també ens hem de respectar com a persones. Jo et respecto com a persona. Sí, ja. Maria, no, parla-li a la Maria. Maria, j'en pas. Vous voulez que vos enfants comprennent que papa, c'est bon. A veure, jo vull que pensin que tenen un pare bo, però... No, vull, que pensar jo. Vous voulez que vos enfants continuer à penser que papa est bon. Jo vull que pensin que el seu pare és bon, vull que pensin que tenen un pare. Ok, je m'imagine ce soir, vous en rentrant chez vous, qu'est-ce que vous allez leur dire? No, no els hi parlaré del seu pare. Ah, justament. Ho veus? Maria, això no existe, però. Però avui, Maria. Des fois, le mal, c'est comme le cancer. Moins on en parle, moins c'est. Et il finira par disparaître, le cancer, n'est-ce pas? Que...
Ah. Jo... Potser amb el temps sí que t'agrades apareixent. No dic que no. Potser fa falta més temps perquè desaparegui aquest mal. No, la qüestió... Si tu, però, excuse-me. La part és important. Si vols haver de fer saber que no, vos en penses que... Doncs... És que no... Com a molt els hi podré dir que els he vist, perquè hem vingut... I ja saben que estem en aquest procés i els diré que l'he vist. Bougez pas, fais un peu plus. Les miracles, c'est pour les saints. Vous êtes prête à me dire, c'est extraordinaire. Que ce soir, vous allez parler à vos deux enfants et dire, j'ai rencontré papa aujourd'hui. Potser sí. C'est quelque chose, hein? Vous allez faire ça. Étonnant. Vous allez faire ça. Potser sí. Bon. Vous serez où en ce moment-là? Com, pardon? Excusez-moi. Je m'imagine votre conversation. Vous serez où? Doncs a la cuina. Estaré... Sí? Sí, estaré fent el sopar com cada dia. Et je m'imagine derrière la fenêtre de votre cuisine et je vais vous entendre dire quoi? Doncs que els diré, diu, avui avisar el vostre pare perquè sabeu que us vol veure més, encara que vosaltres no voleu. Et vous allez leur dire, j'ai rencontré votre père. Sí. Et vous allez leur dire, j'espère, que vous avez été deux heures en conversation avec lui. Ils seront très étonnés, n'est-ce pas? Suposo que sí, perquè saben que fa molt de temps que no ens veiem. C'est extraordinaire, pour une fois vous allez leur dire « Maman et papa se rencontrent, à votre insu. » No sé com reaccionarà. Et vous-même, vous allez leur dire ça, sur quel ton? Doncs no ho sé, perquè elles ja són grandetes i ja saben tot el que hi ha i bé, penso que elles no volen saber res de tot això i jo no he sigut la que els he dit que no... En el dolor, soir, a la tarda de cuisine, us ha de haver una mamà difícil. Sí, jo crec que sí, perquè potser els agafa una mica de por de saber que hi ha algú que els pugui obligar a veure el seu pare. Què dir? Oui, parce que je ne sais pas ce que vous avez dit avec papa aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre manière de dire à vos filles, à vos enfants que papa, il est gentil? Home, els hi podria dir que almenys està fent alguna cosa per recuperar-les. Que almenys ho està intentant. Encara que elles no vulguin, però ell està fent passos per veure-les. Est-ce qu'il y a d'autres manières de dire à vos enfants que papa est gentil? Doncs aquesta, de dir el fet que algú vulgui veure les seves filles, doncs demostra que es pot ser una persona bona. Sí, depuis quelques instants, madame a ralenti. Elle réfléchit juste un peu plus à ses réponses. Elle est juste un peu plus embarrassée. En autre mot, il y a quelque chose de crucial qui commence, c'est-à-dire les certitudes sont remises un petit peu en doute. Et quand ses yeux commencent à devenir vitreux,
on és durant bon chemin, moi je me dis. Parce que les certitudes, je ceci, tu cela, je ceci, tu cela, font que ils discutent de manière stérile. Mon questionnement, c'est pas qu'il est bon essentiellement, non, c'est que ça provoque chez elle ce regard vers soi, vers les personnes qui lui sont chères, ses enfants naturellement. Et mes questions étant différentes, elle doit chercher d'autres réponses. Son ralentissement, son incertitude dans la réponse, on peut le calibrer comme on veut. Personnellement, je trouve qu'on va sur le droit chemin. Naturellement, ici c'est un peu artificiel et avec la traduction c'est extrêmement lent et mécanique. Je me demande si on peut s'imaginer la conversation fluide, tout simplement. Fluide, mais avec le ralentissement chez madame. Les réponses toutes prêtes ne sont plus, ne marchent plus. Je continue. J'explore, ok, c'est un exercice, on va dire que l'entrevue serait comme ça maintenant. J'explore encore une autre hypothèse. Vous allez travailler tous ce soir avec vos enfants. Et tout ceci pour lui faire plaisir. Dit d'aquesta manera, no sé si parlarem d'elles. Exacte. Et si on faisait travailler papa un peu plus? Dites-moi Marie, qu'est-ce que Joseph pourrait faire, lui, pour parler de votre rencontre d'aujourd'hui? Je pense que pourrait faire Joseph. Mira, la única cosa que et demanaria és que no li expliquessis a ningú. Je vous écoute. L'única cosa que demanaria... Maria, j'ai mal formulé ma question, pardonne-moi. Vous avez remarqué comment elle est revenue sur la réponse prête, sur l'interdit. Donc elle n'a pas répondu à ma question. Donc il faut travailler encore, parce que c'est un peu de ci, un peu de ça. Et je m'autorise naturellement la coupure pour lui épargner encore une autre répétition. C'est terrible. Maria. Des fois, je devrais prendre plus de temps pour poser une question. Qu'est-ce qu'il pourrait lui faire pour lui dire aux enfants que maman et papa se sont rencontrés? Què podria fer? És que no... Ara mateix no podria fer res, perquè és que no... Tocar-les tampoc, perquè no volen posar-se al telèfon, i jo penso que... Perquè és conservable que puguis telefonar. Alguna vegada les ha trucat, però elles no s'hi volen posar. Oui, et vous, naturellement, vous voulez que si jamais il appelle, ça marche. Vous voudrez pas qu'on lui raccroche au nez. No, clar, en el fons clar, podria això, però si tenen... C'est pas agréable de voir vos enfants raccrocher au nez de leur papa. C'est pas beau, ça. Però ja tindran el seu motiu per fer-ho. Això és que comprar secament terrible. Sí, sí. Comment podeu preparar ce terreny quan papa parla a vos enfants? Jo ara penso que el que podria fer és no trucar i en tot cas ja parlaré jo. El millor que podria fer ara és avui no trucar i ja parlaré jo. Ok, Maria, c'est réglé. Excusez-moi, des fois j'exagère pour rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien faire ce soir. C'est tout. Ja, està bé, parlaré jo. Et je vous jure que j'aime
Bravo. Je vous jure que j'aimerais vraiment être à la fenêtre et vous regarder. Et moi aussi. Elle est au cinquième étage, la fenêtre. On vit dangereusement, nous deux. Maria. Non, Maria. Votre prénom personnel, à vous. Ah, Elena. Elena. Son questionnement et le mien a été très directif, presque linéaire, pour vous faire faire quelque chose de différent qui n'était pas souhaité par vous, mais je ne dis pas que c'était souhaité par moi, mais qui est souhaitable en soi. Serais-tu capable de le faire en autre vie? Com a balladora? Podria intentar. Essaye avec lui. Je vais te travailler. Ok, essaye avec lui. Okay. Aquí no se salva ningú. Okay. Oh, excusez-moi, j'ai regardé l'heure, il est 7h30. Essaye pas avec lui. Je voudrais que demain. Adios. De hecho, bien como mediador. C'est comme un mouchoir de papier, les personnes. Hein. On les prend et on les jette. Merci. Okay. La question pour vous. La ligne de pensée que j'ai suggérée. Ça te fait penser à ça. És una línia provocativa, entenc, una mica de cara a la mare per intentar comprometre-la. O sigui, perquè tinc compromís... La même chose pour le père aussi, mais ça serait... J'ai en fait ce que je voulais. C'est terrible. Je n'ai vraiment pas... J'ai eu un projet personnel, je les ai encouragés à le réaliser. J'ai eu confiance, mais j'ai eu confiance qu'ils soient capables de faire quelque chose de différent. Et vous aurez compris aussi que j'ai induit madame à briser la règle du silence. Et ce serait pas mauvais qu'on brise cette règle à un certain moment. Naturellement, ultérieurement, il amènera les enfants et tout, et donc ça, ce serait chouette. Okay. Je voudrais en quelques secondes explorer une autre hypothèse complètement différente qui n'a vraiment rien à faire avec la ligne de conduite qu'on a eue depuis 15-20 minutes. C'est-à-dire le non-verbal. Je vous plaît. Vous n'avez pas besoin de micro, s'il vous plaît. Okay. Et une combinaison des deux pourrait être encore plus efficace. C'est-à-dire, il faut te mettre ça dans ta poche. Okay. C'est-à-dire que, c'est vraiment classique, et je m'excuse pour vous qui pouvez être maître dans la chose. On a donc madame qui en a beaucoup sur le cœur. Ok, muy bien. On a donc madame et à tous les deux mots qu'elle dit, elle fait quelque chose comme ça. Ça, on le sait. Tu lui laisses la parole quelques instants et elle te sort une reproche. Ok? Il n'y a pas de mal à ça, c'est sa vie. Par exemple, mais je vais même utiliser le père, puisqu'on a, on a beaucoup utilisé la mère, donc je vais utiliser le père, ok? Par exemple, pour une fois, on peut le faire. Et donc, quel type de reproche que le père aurait fait, par exemple? Quel type de reproche? Pot ser pare, pot ser la mare. És culpa teva que les nenes no vulguin venir amb mi. Tu els hi parles malament de mi. Muy bien. Ok.
C'est beau. Un autre mot, imaginons qu'on est assis, je pourrais très simplement prendre Joseph, dire Joseph, je vous écoute depuis quelques minutes et voici ce que je vois. Est-ce que c'est comme excusez, je le laisse comme ça quelques instants, naturellement, madame est là. Si possible, sur le téléphone, okay. Et avec une certaine lenteur, encore une fois, je parle mécanique, ok, avec une petite lenteur pour que lui puisse sentir la fatigue et elle l'injure. Le contraire serait vrai aussi, hein. C'est très injurieux ce qu'il dit, tout comme c'est très injurieux ce qu'elle dirait. Ok, pas de problème là-dessus. Et ça coûte cher en énergie, je suis toujours du zéro. Bref, à tout instant, je pourrais venir le faire lever, parce que le fait de se lever change un petit peu la perception de tout ce qui se passe. Vous vous rappelez le film « La société des poètes perdus » quand le professeur demande aux élèves de monter sur le pupitre, hein? Ah, lui était intelligent. Mais nous, on est plus intelligent, on reste assis. On se repose. Donc, pour ne pas qu'il se repose et reste dans le discours fait et refait, je pourrais simplement leur demander de se lever et de dire, est-ce que c'est ça? C'est comme ça que tu te sens? Il dira que tu n'as pas. Ouais. Ok. Et elle, naturellement, sans la force, et il pourrait réagir. Maintenant, loin de moi de me contenter du diagnostic, corroboré, donc ça devient un autodiagnostic vécu sur le plan kinesthésique de toute merveille. Mais ça pourrait mener à quoi? Ça pourrait mener à dire vous voudriez changer quoi dans votre position? Par exemple, il n'y a pas de. Vous voudriez changer quoi? Vous ne dites rien, vous voudriez changer quoi? Bah, c'est la actuelle. Si. Non, comprendo. Changer. Ah si? Aller de là à là. Qu'est-ce qui change pour vous? Non, ça va mal. Excusez-moi. Je suis trop spontané. Ok. Joseph est passé de là à quoi? Qu'est-ce qui change pour vous? Non, faites pas mal. Je suis portée dans une histoire et la culpa de les nenes ne puguin veure. Jo tampoc. Joseph, si je veux rester avec Joseph, ça peut aller dans toutes les directions. Joseph, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui doit changer pour que vous puissiez baisser les armes? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement. Et je l'arrive là. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez, mais c'est extraordinaire, waouh, c'est extraordinaire, vous croyez capable de réduire vos accusations? Non, parce que sont défenses. Ah, si ce moment-là, si non m'he de défenser, tout va sur le bras. Ok, Joseph, donc vous croyez que c'est possible baisser? Avec certaines conditions. Si.
Et quand vous baissez, c'est agréable. C'est reposant, vous avez dit. Hein? Si. Ok. Donc, une vie avec moins de reproches est plus reposante. Si. Ok. Que no m'hagi de defensar. Ok. Que no m'hagi de protegir. Ok. Permettez-vous qu'on discute quelques instants comment se reposer un peu plus? Ok, donc on va discuter comment faire moins de reproches. Et quand on fait moins de reproches, vous comprenez le cliché, on fait quoi? Il a les yeux vitreux. Il a ce regard intérieur. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit dire. Il ne sait pas, même pas dans quelle partie de sa tête ou de son cœur chercher. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait moins de reproches? Em sembla que estaríem més còmodes tots dos. Estaríem més còmodes. Si tu no m'ataquessis i jo no t'ataqués a tu, potser ens podríem preocupar millor per les crostes i les nostres crostes. C'est magnifique. Vous avez une bonne idée. Parce qu'on peut être divorcé et faire quoi? Préoccuper-nous de les nenes. C'est quoi le fait? Bon, jo necessito fer la part. Josep, no puc fer la part. Je vois que vous avez confiance. Je vois que vous avez confiance en vous-même. D'être capable de préester le bon. Clar que sí. Sempre ho he fet. Ah, regardez, ah. Je vous ai dit faire Eya, comme ça. C'est beau ça. Est-ce que ça, comparé à ça, est-ce que ça, c'est un peu différent? De quelle manière? Ça Ah si, oui. Et qu'est-ce que ça signifie? Aquí no em sento atacat. Hein? No em sento atacat. No m'he de defensar. És que c'est vrai, hein? Que quand quelqu'un fait ça, c'est différent. C'est différent. Jo tampoc em sento que m'estigui acusant. Ah, no, no. Questa non è una cosa, qui. E dice, che cos'è? Che è una pregunta. Je suis simplement en train de profiter de la situation que tu nous proposes, profiter de votre exercice, pour explorer l'ensemble des possibilités qui sont ouvertes à nous, si seulement on s'y mettait. Pas choix, c'est des choix naturellement. Et tout comme sur le plan verbal, on se pratique sur comment s'introduire, reformuler la question, le ton. On voit ici d'autres possibilités. Un autre mot, occuper une entrevue, une salle d'entrevue, c'est un volume, c'est pas une surface. Occuper le volume, un peu plus. L'occuper, si on veut, en se levant, si on veut, en bougeant. Par exemple, dans ce cas ici, j'aurais pu faire un autre exercice. J'aurais pu faire, madame, si je vous comprends bien, c'est ça le bonheur, n'est-ce pas? Oh, je me suis trompé.
Tu vas, monsieur Tranquil, c'est quoi le bonheur? La felicitat seria que s'hagués comportat des del principi. No, no, no! Le bonheur du divorce. Le bonheur du divorce. Le bon divorce. Je me trompe quand j'ai dit ça. No, almenys ens podem parlar com a persones. Et montrez-moi c'est quoi le bon divorce. Hein? C'est ça le bon divorce? J'accélère un peu, mais je pourrais aller un peu plus lentement pour que les gens puissent sentir les muscles hauts. Ok, donc, il y a de l'empowerment, il y a de la communication, il y a des affirmations, et des affirmations de ma part, une affirmation de sa part. Vous aurez remarqué que je commence par le pire pour aider la gloire de le réduire. Loin de, ça c'est mon objectif aussi naturellement. Mais loin de moi de dire l'objectif puisqu'elle va dire le contraire. Donc je commence par le pire, the worst possible outcome, et naturellement elle, puisqu'elle est une femme qui se respecte, va faire la juste chose. Donc, il y a stratégie et mécanique, mais il y a aussi l'être humain avec ses immenses possibilités et l'entrevue qui a des immenses possibilités. On a donc exploré des entrevues très directives qui, en même temps, laissent un peu de latitude aux parents pour être bons. Je ne veux pas laisser la latitude pour être méchant, ils peuvent le faire à la maison. Ce qui veut dire rétrécir le champ, leur champ d'action. Est-ce que ça veut dire qu'on leur met les mots à la bouche? Est-ce qu'on leur met les gestes à la bouche? Vous déciderez. Chose certaine, il y a la conversation, il y a la sculpture, la chorégraphie, et possiblement ils vont rentrer à la maison avec un souvenir particulier de l'entrevue. Quand elle va rentrer à la maison et probablement, je ne sais pas, choisit de parler aux enfants, je gage qu'elle va regarder à la fenêtre, est-ce qu'un dos est là? Une petite paranoïa. Mais en même temps, il aura porté en soi, le professionnel avec soi, qui, dont l'influence va durer quelques moments de plus. Et en regardant la fenêtre de cuisine, qui a été nommée trois fois, elle ne pourra pas oublier la tâche de parler aux enfants, que papa est gentil. Elle pourra choisir de ne pas le faire. Elle va s'en rappeler. Lui, la fatigue signifie que ça coûte. Ça coûte pas cher un avocat, ça coûte partout. Et naturellement, ça, il a dit que c'est mieux. Et puis, par erreur, il a fait comme ça, mais c'était en passant. Et c'est là que j'ai arrêté, parce que c'est les mots, mais c'est le geste qui m'intéresse. Et donc, quand une portion de son comportement est satisfaisante, ben, je gère l'action. En lui laissant toujours la responsabilité de l'interpréter. De l'interpréter. C'est pas moi qui dis, ça c'est une erreur. Non, toi tu as dit. Toi tu as dit. Donc, je vous mets dans le coin et vous réagissez convenablement. On partage la responsabilité. Est-ce que le dynamisme que je vous suggère pour étude, pour exercice, est-ce que ce dynamisme-là pour être transféré dans votre salle d'entrevue, je ne sais pas. Est-ce que vous vous sentez apte ou inapte? On est des grandes personnes, ok? Et pour les vérifier. Et peut-être dans vos rencontres mensuelles, explorez cette possibilité-là, dans vos exercices, de aider les gens, pas aider, ils communiquent de toute manière.
Un visage en colère est un visage en colère, on le voit très bien. Donc c'est quand même le non-verbal qui communique ce moment-là. Et on sait en profiter. Un mot de... Bye. Sí, bueno. Tenim un moment per intentar fer ràpidament o cerquem aquí? Qui és la persona? Qui presenta? La Núria i Emanuela Carmenati. Emanuela, si pots venir un momentet encara que sigui un moment, perquè ja s'ha de preparar-ho. Un segon. Dis-moi, qu'est-ce que t'amène à ton bureau demain matin? Doncs les ganes de tornar-me a trobar amb els parts, perquè m'han trucat recentment per el tema de la porta havien signat, que tenen algunes dificultats, i fer-los doncs, explorar més aquest tema com a pares i aquesta intervenció, provocar-los una resposta. Et tu vas t'enregistrer pour que tu puisses étudier ton intervention non verbal. Parce que sinon, comment tu vas écrire? Merci. Merci. Emmanuel.